honing in on you. If I was young, it didn't stop you coming through. Bonjour et bienvenue dans cette édition d'Interview. Nous sommes rejoints par le légendaire compositeur de musique de film et musicien extraordinaire Hans Zimmer. Hans, merci d'être avec nous. Je suis ravi d'être ici. Vous avez travaillé sur plus de 150 films, si ce n'est plus. Vous devez avoir une ou deux anecdotes à raconter. C'est probable, mais je vais vous dire une chose. Je ne calcule jamais à combien de films j'ai participé. Quand on me dit le nombre, je réponds « Vraiment ?» En fait, ma vie a été bien remplie. Quel a été le film le plus difficile sur lequel vous avez travaillé ? Tous ! Parce que le problème, c'est que quand on a dit oui, on est tout excité et puis on rentre chez soi, on est face à une page blanche. Et plus vous travaillez, parce que tout le monde veut quelque chose de nouveau, bien sûr, plus vous avez l'angoisse de la page blanche. Elle est là, elle vous regarde et c'est une torture. Mais tout cela m'offre des opportunités, des histoires, des voyages, des rencontres avec les gens avec qui j'ai pu travailler, les musiciens qui jouent à mes côtés. C'est le cas pour la tournée que nous sommes en train de faire. Sur scène, on a Lisa Gerrard de Gladiator ou de Dead Can Dance. On a Libo M, qui est la voix du Roi Lion, mais aussi mon guitariste préféré, Guthrie Govan, et puis Johnny Marr. Mais on ne sait jamais s'il va venir ou pas. L'un de mes problèmes, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un me dit de faire quelque chose, je fais l'inverse. Et l'une des choses qu'on nous a dites au départ, c'est que la capacité d'attention du public est très courte de nos jours. Ne faites rien de long. Mes Pirates, par exemple, durent 14 minutes. Dark Knight dure 22 minutes. Ce sont des morceaux conséquents. J'ai aussi un super groupe actuellement. J'ai probablement le meilleur groupe de musiciens que personne n'ait jamais eu. Et puis, il y a le remarquable John Featherstone, qui est notre concepteur d'éclairage. Tout cela, c'est une chose. Le deuxième aspect, c'est que ce spectacle est comme la conversation que nous avons. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il me vienne à l'esprit, je vois cela comme un grand dîner festif. Ce spectacle, c'est comme une conversation. Un moment intime avec combien de personnes ? Des milliers ? Je ne sais pas vraiment, peut-être entre 12 et 20 000 personnes. Mais c'est comme cela qu'il faut l'aborder. En tout cas, c'est mon avis. Et puis, cela consiste essentiellement à raconter de nouvelles histoires. 3 Golden Globes, 4 Grammy, 2 Oscars. Le premier, c'était pour Le Roi Lion, le second pour Dune. Un film qui a été tourné à deux pas d'ici, aux Émirats. Absolument, ils sont en train de tourner la suite en ce moment. Je vous assure, oui. Il est assez tôt. Ils y sont encore. Vous participez à cette suite ? Et je suis censé y être en ce moment. Il vous faut un taxi ? Oui, j'ai besoin d'un taxi. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est un projet tellement passionnant. Et Denis Villeneuve l'est tout autant. Non seulement c'est un réalisateur remarquable, avec des idées remarquables. Vous savez, tous les réalisateurs viennent à vous avec une grande imagination, de grands projets. Ils vous séduisent pour que vous travailliez avec eux. Ils ont des idées incroyables. Mais ce qui est spécifique à Denis, c'est qu'en plus de tout cela, il dirige avec gentillesse. C'est vraiment une très grosse production, mais d'une certaine manière, il réussit à maintenir une sorte d'humanité grâce à son grand cœur. J'imagine que vous nouez des amitiés incroyables dans votre travail. Il y a un autre réalisateur, le grand Ridley Scott, avec lequel vous avez travaillé sur plusieurs projets.
Comment se passe la collaboration entre vous deux? Est-ce que vous êtes dans un échange où chacun laisse entrer l'autre dans son espace créatif? Oui, tout à fait. C'est un artiste, premier point. Donc il s'adresse à un autre artiste. Il me laisse faire à peu près ce que je veux. Le travail que nous avons fait ensemble est si divers. Vous savez, Thelma et Louise, c'était très différent de La Chute du Faucon Noir, d'Hannibal ou de Gladiator. Mais il y a malgré tout cette constante de se dire « essayons quelque chose de nouveau, voyons si ça marche ». Et parfois ça ne marche pas. On a été confrontés à cela également. Vous êtes autodidacte. Je crois qu'enfant, vous avez pris des leçons de piano pendant à peine 2 semaines. Vous ne pouvez pas dire que je suis autodidacte. J'ai fait 2 semaines de leçons, ça compte. C'est la discipline que vous n'aimiez pas? Pourquoi ce n'était pas pour vous? Non, je vais vous dire la vraie raison. C'est tellement idiot et tellement enfantin d'une certaine manière. J'avais 6 ans et ma mère m'a dit « Tu veux prendre des cours avec un prof de piano ?» Je pensais qu'un prof de piano, c'est quelqu'un qui, à partir de tous ces airs que l'on entend dans notre tête, nous apprend à les jouer. Mais ce n'est pas ce qu'ils nous apprennent à faire. Ils nous enseignent les gammes et la musique des autres. Je ne voulais pas jouer la musique des autres. Vous avez également dit que travailler sur la série Planète Terre de David Attenborough a été l'un des moments qui ont changé votre vie. C'est la chose la plus importante de ma vie. Vraiment ? Oui, parce que c'est réel. Je reviens de l'Antarctique et on voit que ça change. On voit l'évolution. Donc je pense que ce que fait David avec mon petit coup de pouce, c'est qu'il nous rappelle que nous sommes censés être amoureux de cette planète, que nous partageons tous cette planète, donc c'est capital. Vous êtes né en Allemagne et vous avez grandi dans l'Allemagne de l'après-guerre au sein d'une famille juive. Comment cela a-t-il changé vos perspectives et influencé votre parcours ? On n'en parlait jamais. Je ne sais pas si c'était en 2001 ou un peu avant, j'étais à Berlin au festival du film où était présentée La Ligne Rouge et un film sur l'Holocauste. Et les journalistes nous demandaient « Pourquoi devez-vous toujours revenir à cette période de l'histoire ?» J'étais assis à côté de René Firestone qui avait réchappé d'Auschwitz à l'âge de 14 ans. Donc j'étais entouré de personnes qui revenaient en Allemagne pour la première fois et j'avais peur. J'ai dit « J'ai une relation étrange avec ce pays. Vous savez, je suis issu d'une famille juive. Ma mère s'est enfuie en Angleterre. Elle a encore un passeport anglais. » Et en disant cela, j'ai réalisé, « Oh mon Dieu, j'ai fait une terrible erreur. J'avais révélé ce que ma famille a fait et j'ai commencé à avoir une crise d'angoisse. » Et je me souviens que René Firestone, survivante d'Auschwitz, a pris ma main sous la table parce qu'elle voyait que je faisais un petit malaise. J'ai quitté la table et j'ai appelé ma mère au téléphone et je lui ai dit « J'ai fait quelque chose de vraiment terrible. » Je l'ai dit à tout le monde. Il y a eu un long silence et elle a dit « Je suis vraiment fière de toi. » Je crois que c'est la seule fois où elle m'a dit vraiment être fière de moi. Je suis sûre qu'au fond d'elle, elle était déjà fière de vous. Oui, mais elle ne l'avait jamais dit. De quelle manière le monde du cinéma a changé selon vous? Les progrès de la technologie ont un impact énorme dans tous les secteurs. C'est vrai, mais en même temps, c'est toujours la même chose. On essaye de dénicher l'histoire qui nous touche. On essaye de trouver quelque chose qui nous fasse vivre une expérience. On essaie de remplir encore mieux cet objectif. Nous essayons de rendre les choses plus immédiates. Avec votre équipe, vous tournez avec des caméras numériques. Cela fonctionne en claquant des doigts. Vous avez la possibilité d'être prêt très rapidement. Vous pouvez capturer le moment. Vous pouvez capturer la magie. Et c'est magique quand vous capturez le moment. C'est fantastique.